Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans l'épisode bonus de Deadlight où je vous montre tous les souvenirs de Randall et tout ce que j'ai pu récolter jusque là. Alors je n'ai pas fini le jeu à 100%, il me manque quelques trucs. Regardez dans les choix de scène, je suis à 80, je suis à 100% dans la première partie donc j'ai tout. Je suis à 93% dans la deuxième et à 98% dans la troisième. Le fait d'avoir retrouvé le jeu vidéo dans la troisième partie, dans l'avant-dernier épisode, pardon, il me semble que c'est le 7 ou le 8, je sais plus, eh ben, ça a dû avancer mon quota, mais ce n'est pas le sujet. Donc, j'en ai récolté pas mal, mais je n'ai pas tout. Donc voilà, on va commencer par le journal. Voilà. Alors, le journal... retrace tout ce qui s'est passé avant les événements de Seattle. Et en fait, il tenait un journal. Et donc, je vais vous faire la lecture. C'est parti. Alors, 15 mai 1985. Je ne l'aurais jamais cru que je pourrais faire ça. Recourir à un journal pour m'exprimer. Mais bon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je m'appelle Randall Wayne. Mes amis m'appellent Randy. Mais j'ai peu d'amis. Il y a quelques jours, j'ai fêté mes 33 ans. J'habite Hope, une petite ville de Colombie-Britannique, nichée dans une vallée, en pleine nature, située au sud-est de ce grand pays qu'on appelle le Canada. Ici, il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. Comparé à mon village, toutes les autres villes sont nulles. Par rapport à celles que je vois à la télé, Hope me semble être l'endroit idéal pour quelqu'un comme moi. Mon travail me rend heureux. Je suis garde forestier dans les montagnes. C'est un travail qui nécessite de passer beaucoup de temps loin de chez soi, au contact direct avec la faune et la flore. J'ai l'habitude de partir en montagne seul. Je peux avoir confiance à la montagne. Elle ne m'a jamais déçu. Je n'ai besoin de rien d'autre. Parfois, ça peut être dangereux d'être trop proche de quelqu'un. Les gens ordinaires parlent trop et finissent toujours par me décevoir. 19 mai. Je viens de relire ce que j'ai écrit l'autre jour. On pourrait croire que je suis irritable et que je ne m'entends pas bien avec les gens, mais c'est faux. Je crois que je suis heureux. Je viens d'avoir 33 ans, et 33 ans d'existence, c'est à la fois trop long et trop court. J'ai une belle famille. Shannon, ma femme, est une personne merveilleuse. Elle m'a toujours compris. Compris mes problèmes. Et ça, c'est le plus important pour un homme. En plus, elle cuisine super bien. Pendant plus de 10 ans, son odeur m'a suivi partout. Elle était dans mes vêtements, dans mes cheveux. Et puis la routine s'est installée. C'était comme être aux commandes d'un train sur le point de dérailler. Tout allait trop vite. J'étais nerveux. Enfin, c'est ce qu'il disait. Shannon m'a aidé à revenir sur la bonne voie. Elle est le nouveau boulot. Le boulot dans les bois. Et puis Lydia, ma fille, est née. La belle Lydia. Elle a été une vraie bénédiction. Je crois que ce sont les deux personnes les plus importantes de ma vie. Enfin, c'est plus qu'un avis. C'est la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Ils disent qu'ils croient en quelque chose, mais ils finissent par l'oublier ou la trahir. Les gens vous trahissent facilement. Moi, je ne les trahirai pas, jamais. Donc voilà, ça c'est les 5 premières pages. 6 juin. Aujourd'hui, j'ai perdu le sens de l'orientation dans la forêt. Je m'approchais et je m'éloignais de la cabane, mais je n'arrivais pas à trouver le chemin du retour. J'avais le chemin devant mes yeux, mais je ne le voyais pas. Demain, je dois y retourner. On dirait qu'il y a des braconniers qui cherchent les ennuis. Je déteste les gens qui cherchent les ennuis parce qu'ils finissent toujours par les trouver. Mais ils risquent de trouver quelque chose à quoi ils ne s'attendent pas. Cet après-midi, j'ai trouvé un cerf qui s'était fait renverser sur la route. C'était une journée étrange. 9 septembre. Cher journal, où te cachais-tu? Je peux remercier ma fille de t'avoir retrouvé. Je sais, j'ai oublié d'écrire. Il était déjà quasiment terminé. J'aime cette habitude d'écrire, de m'ouvrir aux autres, même si personne ne lira jamais mon journal. Cela m'apaise. Je me sens vivant. Alors, petite flip, là, il y a quelqu'un qui rentre. Du moment qu'il s'ouvre pas la porte, tout va bien. Alors, moi j'en étais où? Voilà. C'est la même chose que j'aime dans les livres que j'amène en montagne. Vous n'oublierez jamais le choc, pas vrai?
Un coup en plein cœur. Vous vous le rappelez, vous en rêvez, vous vous réveillez la nuit et vous y pensez. Des années après. Et vous en avez des frissons. J. Conrad. J'avais le même âge que ma fille quand mon père a abandonné ma mère et a disparu. Je pense que cela a marqué mon enfance. Que c'est resté en moi comme une brûlure, une cicatrice qui m'a marqué à jamais. Un souvenir vivace de ce qu'il est devenu. Advenu, pardon. Quand on abandonne quelque chose, c'est qu'on n'en veut pas. C'est ce que je crois. Je ne serai jamais comme lui. Je n'abandonnerai jamais ce que j'aime. Entre un père et son fils, il y a une grande différence. 2 octobre. Aujourd'hui, j'ai mal à la tête, aux os. Le froid arrive et la montagne se prépare pour la nouvelle saison. J'ai aussi une terrible migraine dans l'après-midi. 10 octobre. Quelle idée fixe. J'ai passé toute la journée avec des chiffres en tête. Un 10 ici, un 16 là, un nombre infini d'arbres que j'ai comptés dans la forêt. 3 renards, un ours, 10 mots prononcés dans la journée et 30 fois où je me suis assis pour observer l'horizon avec mes jumelles. 252 pas de la cabane jusqu'à la route. 30 pas pour faire le tour de la cabane. J'ignore combien de mots contient ce journal, mais il y en a un tas d'autres mots qui brûlent à l'intérieur de moi. Les mots que je n'écris pas. J'ai peur de fermer les yeux et de rêver. J'ai peur que tout revienne. Le vent du passé me glace le dos. Cette solitude semble ne pas suffire, tout comme écrire dans ce journal ne suffit pas. Parfois, je vois aussi ce qui s'est passé quand je suis éveillé. 15 octobre. Thanksgiving. Quelle journée mémorable aujourd'hui. Ma femme a fait un délicieux ragoût. Toute la famille a mangé en silence, mais un silence agréable. On n'est pas toujours obligé de rompre le silence avec des mots, pas vrai? Lydia était un peu triste pour Nick. Elle dit qu'il méritait mieux. Nick méritait mieux, et je crois qu'on mérite tous mieux. Au moins, la chair de Nick était délicieuse. C'est typique des gamins de vouloir personnifier tout ce qui les entoure, de donner un nom à tout ce qu'ils voient. J'ai dû briser le cou de Nick de mes propres mains. Je ne suis pas un lâche, mais je n'aime pas tuer les animaux de mes mains. Encore moins quand on leur a donné un prénom. Dans mon métier, je dois parfois achever des animaux qui sont malades, ou qui mettent en péril les autres. Je sais que toutes les morts se valent. Et si c'était... Même si c'était une dinde, avec un nom de vendeur de voitures d'occasion. 19 octobre. Ils ont envoyé un message pour avertir les braconniers. Ben Parker, une connaissance, a appelé le bureau des gardes forestiers. Il aurait aperçu des chasseurs dans un secteur sécurisé. Ben, c'est un chic type. Je crois que c'est le seul homme en ville avec qui je peux parler. Je l'ai vu en montagne et il n'est pas du genre à faire des embrouilles. Il vient souvent me voir et on passe de bons moments ensemble à discuter. C'est un homme d'expérience, facile à vivre. Sur le chemin du retour, je suis tombé sur un van garé au bord de la route. 2 filles étaient sur le bas-côté, en train de te jouer comme 2 gamines. Elles n'arrêtaient pas de rigoler. Je les connais depuis un moment, ces 2 bécasses. Elles sont là, traînées dans les parages. La plus jeune, une petite fille boulotte, très bronzée, n'arrêtait pas de sourire. Elle ne disait rien de particulier, pas comme l'autre. Elles viennent de Vancouver et elles étaient venues chercher des plantes pour guérir je ne sais quelle maladie. Je les ai averties, la forêt sait comment trouver sa nourriture. Ça peut être dangereux pour 2 jeunes filles d'aller ramasser les fleurs dans les bois. Oh, c'est pareil. Les animaux sauvages font leur boulot, comme moi je fais le mien. Quand elles sont parties, j'ai entendu leur rire couvert par le bruit du moteur. Les gens de la ville, je ne peux pas les blairer. Enfin, pour l'instant, il m'a l'air un peu misanthrope. Hein. Ça va? Vous faites pas trop chier? Ah ben, hein, c'est le journal de Randall. Hein. J'ai pas dit non plus que c'était bon la découverte de l'année. Allez, en plus, j'arrête pas de me tromper. Et j'ai le nez un peu bouché. Mais c'est parti. 22 octobre. Les rêves sont ma réalité. 24 octobre. J'ai peur de la nuit, 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 j'ai peur de la nuit. Alors là, quand même, bon, c'est assez bizarre. 11 novembre. La pause après le travail, la pluie après l'incendie, le repos après la guerre, la mort après la vie. Parfois, j'ai l'impression d'être aussi au bord d'un volcan sur le point d'entrer en éruption. Mes nerfs, les tremblements de ma main lorsque j'écris. Tout en moi reste inchangé. Je garde tout en moi, mais parfois, il faut que ça sorte. Mes pieds sont suspendus au-dessus d'un vide, avec en dessous du soufre et des cendres, en ébullition qui commence à me réchauffer jusqu'à la moelle épinière. C'est à ce moment-là que je sais que je dois rentrer chez moi, retrouver ma famille. Si je ne le fais pas, ça arrivera quand même. Ça arrivera que ça nous plaise ou non. Tout comme pour les filles dans la forêt. Ça arrivera que ça nous plaise ou non. Ça arrivera. Mais bon sang, pourquoi est-ce qu'elle retourne dans les montagnes?
On les avait avertis. Le mois dernier, je les avais avertis, en leur disant de ne pas revenir. L'enfer, c'est elles qui se le créent. Ce sont elles qui vont dans la forêt et qui cherchent l'affrontement. Je ne peux pas m'empêcher de me défendre, de défendre ma patrie. Je suis comme un animal qui défend son territoire. Je fais mon boulot, et la vermine fait le reste. 5 décembre. Malgré une migraine, je vais peut-être réussir à ne me souvenir que de bonnes choses en moi. Lorsque ma grand-mère maternelle est décédée, elle avait déjà plus de 80 ans. Auprès d'elle, il n'y avait plus qu'une personne, une infirmière. Elle a vécu seule et elle est morte seule. La jeune fille m'a dit qu'avant de mourir, ma grand-mère avait levé la tête de son oreiller, qu'elle avait regardé d'un côté puis de l'autre, comme si elle cherchait quelqu'un. Puis elle s'était recouchée et elle était morte. Un vide m'entoure, je le sais. Je ne suis pas sûr d'y être entièrement tombé. Parfois, j'ai l'impression que si je relève la tête, je vais réussir à passer de l'autre côté. 12 décembre. Lydia a toute l'imagination qui fait défaut à sa mère. Depuis quelques jours, Shannon est inquiète et en colère. Je vois bien qu'elle est en colère contre moi. Je sais bien que j'ai passé du temps dehors, plus de temps que prévu. Mais à cette saison, avec le chaos qui cause les braconniers et la chasse, je ne pourrais rien faire de plus pour elle. Ni pour nous d'ailleurs. Je le sais bien et j'en suis désolé. À mon avis, les pages blanches, c'est des secrets que j'ai pas trouvés. 25 décembre. Ça ne te plaît pas, Randy? La montagne est magnifique. Joyeux Noël. Bonne année 1986. Sympa les dessins. 7 janvier 1986. J'ai eu de la visite dans la montagne. Ben Parker est grimpé pour venir me demander de mes nouvelles. Ce Parker est un vieux malin. C'est un Américain, mais il vit au sein de notre communauté depuis de nombreuses années. Il est né dans un pays voisin, il a combattu les Rouges au Vietnam. À son retour au pays, il n'a pas été bien accueilli, il a dû trouver une autre terre d'accueil. Une patrie qui vous rejette alors que vous avez tout donné pour elle, c'est un peu comme un père qui vous abandonnerait encore enfant. Il est alors venu s'installer ici avec sa femme, qui était malade. L'air de la montagne était bon pour elle. On y respire mieux à ce qu'on dit, mais ça ne l'a pas beaucoup aidé, et elle est morte assez rapidement. Ben travaille comme pilote. Il intervient en hélicoptère dans les opérations de secours en montagne. À ce qu'il dit, il offre aux touristes le plus beau panorama de tout le Canada. J'imagine qu'il se sent un peu seul en ville. C'est pour ça qu'il grimpe me voir dans mes montagnes, pour discuter avec moi. On s'entend bien. Il m'apporte des bières, il commence à râler contre les Ruskoff. Il ne les aime pas. Tous les deux, on pense qu'il va y avoir une nouvelle guerre qui va faire trembler les fondations même de notre planète. Et que le meilleur endroit pour se protéger serait 6 pieds sous terre. Les Ruskoff. Énorme. Bref. Ah, c'est long, hein. Il y a 94 pages. 14 janvier. Hier, je suis retourné chez Harry. C'était la première fois depuis un an. Je n'aime pas les espaces clos. Je voulais juste prendre une bière avec Ben et ne pas rester très longtemps. Mais il était en retard. Il y avait une atmosphère étouffante chez Harry, avec tous ces piliers de comptoir qui étaient là à analyser tous mes gestes. Ça me mettait mal à l'aise. Je n'aime pas la façon dont ces types me regardent. Je n'aime pas les écouter parler. Je n'aime pas les écouter rire. Je n'entendais pas ce qu'ils disaient, mais j'aurais parié qu'ils parlaient de moi. Quand Ben est arrivé, il a apporté de vieilles coupures de presse d'un journal local. Ses attaques en forêt l'inquiètent. Qu'est-ce qu'il voulait que je dise? Je suis impuissant. Mais Ben ne veut pas en démordre. Ce qu'on peut faire de mieux, c'est de rassembler quelques gens en ville pour partir chasser les ours en montagne. Il est convaincu que si l'on parvient à chasser quelques ours, les gens de la ville reviendront, et que les affaires reprendront. Je lui ai dit ce que je pensais. Les charognes fournissent de l'engrais pour le sol et même si nous chassons quelques animaux, d'autres viendront les remplacer. Si aujourd'hui tu t'arraches une dent, demain, une nouvelle dent repoussera, encore plus forte. La nature est faite comme ça et les hommes qui veulent la contrôler aussi. Alors pour les dents, je suis pas d'accord, mais bon. Quand t'arraches une dent, elle repousse pas, sauf si c'est une dent de lait. Et encore. Excuse-moi, je connais les... Ouais, on s'en fout de ma vie. 28 janvier, j'ai rêvé de deux chats qui jouaient à se cacher dans une valise. Ils se sont retrouvés coincés à l'intérieur pour ne jamais ressortir. Ils ont suffoqué. Je porte sur mes épaules un fardeau ensanglanté, des sacs remplis de vermine de la forêt. Et des chats morts dans mes bagages. C'est glauque. Là, j'ai pas dû le trouver. 27 février, la forêt semble agitée de façon inhabituelle. C'est ce que je ressens des arbres et des animaux. Bon sang, qu'est-ce qu'il se passe dans le monde? Des altercations avec la police au sud de la Pologne. On dirait qu'il se passe quelque chose de grave en Europe. Personne ne dit rien. Je crois qu'ils nous cachent le pire.
Les gens disent que l'armée serait en train de répandre des agents chimiques au-dessus d'une petite ville. Les gens sont fous furieux. Plusieurs flics sont morts, mais le gouvernement nie tout en bloc. Aujourd'hui, il neige et le silence est terrifiant. 1er mars. Depuis ce rêve étrange que j'ai fait, on dirait que le monde s'éveille chaque jour pour découvrir une nouvelle révolution. Généralement, je ne prête pas beaucoup d'attention aux nouvelles, ni à ce qui se dit à la télévision. Mais c'est sûr, il se passe quelque chose de grave. Shannon est inquiète, elle aussi. Elle veut que nous allions en ville acheter de la nourriture, des provisions, on appelle ça. Elle me dit qu'elle a parlé aux voisins et qu'ils se préparent aussi. Il y a eu pas mal de tensions qui semblaient oubliées en Europe. Une nouvelle vague de violence, une nouvelle guerre mondiale. Je savais bien qu'on ne pouvait pas leur faire confiance à ces cocos. Eh ! Bon, hein ? Un peu de merde ? Un européen, merde ! 7 mars. Une semaine est passée depuis ma dernière note dans mon journal. Je ne savais pas vraiment à quoi dire. Maintenant, ils parlent d'une maladie infectieuse. Tout le monde tombe malade dans le monde entier. Les gens tombent comme des mouches. On sacrifie des animaux, l'Europe a été mise en quarantaine et personne ne sait plus quoi faire. Des cas ont déjà été confirmés sur la côte est des États-Unis. D'après le Premier ministre, il n'y aurait pas de quoi s'inquiéter. Mais personne ne le croit. J'ai interdit à ma femme de quitter la maison. Je vais m'occuper de tout. 10 mars. Une réunion a été organisée au siège de la direction. Un des membres de la police montée est venu nous donner quelques conseils, mais aussi des informations. Apparemment, ça serait une épidémie de rage, mais d'après lui, le virus aurait muté et, comme avec n'importe quelle autre épidémie, nous devons prendre des précautions spéciales, au cas où nous serions en contact avec des animaux sauvages. Dans certains cas, ces morts et ces mutilations viendraient de là, tout comme les autres problèmes observés dans la forêt. Si un être humain est attaqué, il présente presque immédiatement les mêmes symptômes. Nous devons signaler tout cas suspect observé dans les montagnes. Le début de l'infection, magnifique. 12 mars. La vague de violence s'étend désormais au-delà des frontières de l'Europe. D'après eux, les hôpitaux n'étaient pas préparés à une telle situation. Comment ça, une telle situation? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? C'est donc ça une épidémie de rage sans grande importance? Je ne crois pas à ce qu'ils disent. Leur mensonge ne s'arrête pas là. De ce côté de l'océan, les gens disent que la situation est sous contrôle. Un peu plus de 300 personnes auraient été contaminées. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Infectés ou décédés? Ces sales politiciens n'arrêtent pas de nous mentir. Aujourd'hui, un avion s'est écrasé dans le golfe du Mexique. Près de 150 personnes ont été portées disparues. Et Dieu, dans tout cela, qu'est-ce qu'il fait? La religion, ce n'est pas mon truc. Mais je sais que n'importe quel renard sauvage... Ah. Bon. Bah non. Que je. 16 mars. En ville, on ne marche jamais seul. On est toujours avec quelqu'un. On peut mâcher sa peur, comme un vieux chewing-gum qu'on ne recrache jamais. À la télé, ils ont diffusé quelques images. Un type est entré dans une banque et sans rien dire, il s'est attaqué aux employés et aux clients. Il n'a pas volé un seul copec. Quand il est sorti, la police lui a tiré dessus. Il a continué à marcher, imperturbable, en direction des policiers. Maintenant, il y a trop de sang à la télé. 23 mars. Shannon, ma femme, est devenue très nerveuse, mais elle ne veut pas que Lydia le sache. On essaie de la protéger. 25 mars. On n'a plus aucune communication avec le monde extérieur. Hier, j'ai allumé la télé, il diffusait un signal d'urgence avec un bourdonnement très énervant. Et c'est lâche à Ottawa. Ils sont en train de se cacher. La radio ne marche pas non plus. On n'entend rien. Enfin, ce n'est pas entièrement vrai. La radio du coin émet toujours des programmes, mais ce n'est que de la musique à longueur de journée. Personne ne parle. Plus personne ne dit rien. Un silence de plomb. 26 mars. Un balai d'hélicoptères toute la matinée. Putain, ça recommence. C'est le même hélico qui a passé la nuit à survoler la vallée. On dirait que l'armée s'intéresse enfin à nos problèmes. Elle a émis un message. La population locale doit se rendre à l'aérodrome dans l'après-midi. D'après les autorités, nous n'avons plus le temps. L'armée devrait nous amener dans une zone sécurisée. Ça veut dire que la ville, ce n'est pas un endroit sûr. Une petite ville isolée de tout, entourée de montagnes et d'une forêt dense, ce n'est plus un endroit sûr. Mais bon sang, ils délirent ou quoi les mecs? Je ne comprends plus rien. Hope, quel nom ironique. En ville, il n'y a plus d'espoir. Hope, ça veut dire espoir. Je dois passer à l'action, protéger ma famille. Je ne sais pas ce que c'est cette épidémie, mais elle est bel et bien arrivée au Canada. Ouais, pas, bon, c'est un jeu de mots à l'américaine, mais voilà. À l'anglaise, plutôt. Comme je sais que certaines personnes ne comprennent pas l'anglais, hope, ça veut dire espoir. Donc c'est ironique. Voilà. Là, y a rien.
26 mars. 17h. Je suis allé en ville pour essayer de parler à des responsables. Les gens couraient partout. Ils s'agglutinaient, se piétinaient. Des valises remplies de souvenirs jonchaient le sol. Des files de voitures s'allongeaient sur la route qui mène à l'aérodrome de Hope. L'armée est partout. Elle essaie d'organiser les choses en faisant passer les familles à travers différents points de contrôle. C'est l'enfer. J'ai vu des soldats tuer un vieil homme, en face de moi, alors que sa femme et ses deux filles hurlaient de désespoir. Un chien aboyait lorsqu'il est passé près de lui. Il y avait une lueur dans ses yeux. Dans les yeux de cet animal. C'était comme s'il avait détecté ou senti quelque chose que seul un chien peut ressentir chez un être humain. Ils l'ont déshabillé. Le vieillard avait une blessure à la poitrine, qu'il cherchait à tout prix à dissimuler. Une balle dans la tête. Voilà comment ils l'ont achevé. Je ne sais plus quoi faire. Suivre les autorités, croire à leurs mensonges ou m'échapper dans les bois avec ma femme et ma fille. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas ce qui serait le mieux pour nous. Je dois rentrer et régler ce problème. À ma façon. Je dois trouver une solution à tout cela. Je suis au bout du rouleau. J'ai besoin de respirer. J'ai besoin d'air. Ma tête, elle va. 20 avril. Je n'ai rien écrit depuis plusieurs jours. La ville a été envahie. J'ai lutté avec Ben et les autres hommes, mais nos barricades n'ont pas réussi à les arrêter. Quand je suis retourné à la maison, Shannon et Lydia étaient partis comme tout le monde. Un exode massif. Parker et moi, nous avons quitté Hope ensemble et depuis, nous sommes jamais séparés. Quelles que soient les circonstances, nous avons traversé la forêt à pied pour échapper à cette catastrophe, en canalisant nos remords, jusqu'à atteindre Vancouver. On pensait que dans une grande ville, la situation serait meilleure qu'on croiserait des gens. Quelle naïveté de notre part. Vancouver est méconnaissable. Plus de nourriture, plus de carburant, plus aucun espoir. Nous avons fui en dormant à peine et en nous abritant comme des animaux. Ces monstres sont partout. Ils sont des centaines. Des ombres, voilà comment ils les appellent, depuis le début. Des ombres qui vivent désormais dans l'obscurité, et qui avaient autrefois une forme et une enveloppe humaine. Des ombres d'une vie passée. Leurs gémissements nous torturent à longueur de nuit. Chaque seconde qui passe, je pense à Shannon et Lydia. Elles sont quelque part, effrayées, en fuite. Deux épines dans une botte de foin. Elles me manquent tellement. 30 avril. Aujourd'hui, Parker et moi avons découvert un groupe de survivants. Ils se sont cachés quand les problèmes ont commencé à affecter la ville. Il y a plus d'un mois, comme à Hope. Ils n'ont plus d'eau ni de nourriture, ils ont peur. Ils errent en périphérie de la ville et à un moment, ils ont bien failli nous tuer. Ben et moi. Le groupe est composé de deux hommes et deux femmes. Ils sont armés. L'un d'eux est policier, mais il est très âgé. Quant à l'autre, on dirait qu'il n'a jamais utilisé d'armes de sa vie. Il ressemble à un professeur d'université. Maigre, rouquin, de la vraie chair à canon. Les deux femmes sont des jumelles, plutôt jeunes. Elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Je ne crois pas qu'elles aient de lien avec les hommes. Je ne sais pas pourquoi, mais ces derniers les protègent tout le temps. Le vieil homme aurait entendu un message à la radio, émis par une voiture de police accidentée. Il mentionnait une ville de l'autre côté de la frontière. Le vieux policier veut que nous prenions la direction du sud. Il part de nous comme si on formait déjà un groupe. On va faire ça, qu'il nous dit. On va s'entraider. D'après Ben, c'est la meilleure solution. Y aller tous ensemble. Un groupe. En meute. Demain, cap sur Seattle. Certains parlent d'une zone de sécurité, d'une migration. Shannon et Lydia doivent se trouver sur cette route. Pardon. 3 mai. Ben et moi avons fait une découverte étrange. Aujourd'hui, nous nous sommes cachés dans le sous-sol d'une clinique. Ben pensait qu'on y serait en sécurité. On est entré avant les autres. Mais il y avait une odeur insupportable. Des insectes partout au sol. Des cheveux et des lambeaux de peau un peu partout. Et au centre de la pièce, je pouvais distinguer deux chiens morts. Deux chiens qui avaient cherché eux aussi un endroit sûr, de toute évidence. Ils s'étaient battus à mort pour un morceau de viande avariée. Je me demandais si nous allions subir le même sort. Mais je me trompais. Ils ne s'étaient pas battus pour un morceau de viande. Dans le sous-sol de cette clinique, il n'y avait rien à manger. Que des médicaments, des sérums, des pilules. Ils se sont battus à mort et ont succombé à une overdose de médicaments. Ils sont devenus les premiers chiens morts d'une ampoule de morphine. D'une d'ampoule. Ça veut rien dire d'une d'ampoule. D'une ampoule de morphine. Coincé entre les crocs. C'est con. 6 mai. J'ai trouvé des coupures de presse dans la maison d'une vieille femme qui avait décidé de se suicider. Cette femme voulait s'occuper peut-être pour oublier cette situation catastrophique. D'après l'odeur, je pense qu'elle est morte récemment. On dirait que la guerre est déclarée à travers le monde. Êtres humains contre morts vivants. Les gouvernements des pays n'ont pas lésiné pour combattre cette maladie. Ils ont envoyé des armées entières, des armes, des médecins, par centaines. Chaque personne s'est défendue à sa façon. Au début du mois d'avril, une centrale nucléaire a explosé en Union soviétique.
Elle s'appelait Tchernobyl, je crois. On l'a abandonnée à son destin. Des bombes atomiques ont été lâchées sur la Chine, la Corée, mais aussi, à ce qu'il paraît, au sud-est des États-Unis. Pendant quelques jours, le monde est devenu une immense boule de feu. J'ignore ce qu'on va trouver à Seattle. Sur la route, on rencontre tout type de gens, mais ils vont tous au même endroit. Le refuge, la zone de sécurité. Il paraît qu'ils en parlent à la radio. Eh bien, c'est là qu'on va aller. Vide. 14 mai. Survivre, ce n'est pas un jeu d'enfant. Surtout quand la nuit tombe. Les nuits se succèdent et nos voyages ne commencent jamais. Nous progressons lentement en volant de l'essence dans des voitures abandonnées. Parfois, nous croisons des ombres. D'autres fois, nous devons les affronter. Il faut leur tirer en pleine tête. Il n'y a que ça à faire. C'est le seul conseil que Dieu puisse nous donner dans ce monde en pleine apocalypse, où les morts sont ressuscités. Mais s'ils sont vraiment morts, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de notre chair pour se nourrir? Ce cauchemar ne s'arrête même plus au petit matin. On s'était réveillé à l'aube avec Ben, dans une grange abandonnée à côté du groupe de survivants de Seattle. Cette fois, les jumelles ne dormaient pas. Au lieu de cela, elles hurlaient. Elles criaient à l'extérieur. Le professeur d'université était dehors, de corvée de garde. Il a été attaqué pendant qu'il nous surveillait. Une morsure au bras. Il saignait. On a dû nettoyer la zone. Plus tard, le rouquin, ce putain de prof d'université, s'est vidé de son sang devant nous. Puis il a arrêté de respirer. On savait ce qui allait se passer. Chacun d'entre nous le savait. Alors j'ai été obligé de l'achever. C'est gore! C'est hard, hein? Sacrée histoire. Tu sais, ça commence tout calme, tout gentil, tout mignon, et puis là... C'est la merde. 29 mai. Je crois devenir dingue. Il y a deux nuits de cela, on s'était arrêté avec le groupe dans un endroit miteux pour se reposer. J'ai alors entendu un bruit dans l'arrière-salle. Ce n'était pas un bruit habituel, c'était la voix d'une enfant. D'une petite fille. Personne ne voulait me croire. Pourtant, après ce qu'on a vécu avec les morts vivants, je suis persuadé que c'était la voix de ma fille. Je suis allé dans l'arrière-salle et je l'ai aperçue dans la pénombre. Lydia était là. Ses yeux ressemblaient à des torches qui brillaient dans l'obscurité. Elle était habillée en princesse, comme avant. Quelqu'un a allumé la lumière et Lydia a disparu. C'était la fin de l'hallucination. C'était Carla, l'une des jumelles qui avait imité la voix de ma fille, qui s'était habillée comme elle, en m'appelant dans le silence. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne peux plus faire confiance à mes sens. Donc à mon avis, à ce moment-là, il les avait déjà tués. Si vous avez suivi ma série, normalement vous savez, alors ne faites pas les étonner. Hein. Faites pas chier. 7 juin. Lydia, Shannon, des noms que je n'oublierai jamais. Mon esprit est comme divisé en 1000 morceaux, en 1000 fragments de cristal. Des grains de sucre, des phrases interrompues. Une énigme que je ne pouvais plus résoudre. Il n'y a plus d'avenir possible. Ce sont des jours sans lendemain. 1er juillet. Quand j'étais plus jeune, je me souvenais de tout. De ce qui m'arrivait ou pas. Maintenant, je dois parcourir ces pages pour me souvenir de quelque chose. Je me demande pourquoi je continue à marcher. On peut voir la ville au loin. Toutes ces histoires que l'on a entendues à son sujet semblent vraies. 4 juillet. Une des jumelles est morte aujourd'hui. La jeune Carla est morte dans un entrepôt abandonné et je ne ressens plus rien pour elle. Même pas le moindre sentiment. Le chagrin, c'est quelque chose qui disparaît quand on meurt. Cette maudite maladie fait des ravages depuis plus de 4 mois en détruisant notre petit monde. Tout ce que nous connaissons ici a disparu. Ces 4 mois ont modifié les règles de la nature et les rapports entre les êtres humains. 4 mois sans voir ma femme ni ma fille. C'est dur de continuer quand on a l'impression que 4 mois durent une éternité. Et c'est encore plus de garder espoir. Je fais de mon mieux pour les trouver au seul endroit où elles pourraient être. Aujourd'hui, même les jeunes meurent. Et ce qui m'intrigue toujours, c'est que la plupart continuent à vivre. Enfin, si on peut appeler ça vivre. Nous survivons dans un monde en pleine décrépitude. Nous, enfin. Parfois je doute et je me demande, sommes-nous vraiment encore vivants? 2 jours ont passé depuis notre arrivée à Seattle, à la recherche de notre dernière chance. Aujourd'hui, c'est le 4 juillet, la fête nationale américaine. Le jour de l'indépendance, comme on l'appelle. L'anniversaire de la nation, quelle idiotie de penser à une naissance. Aujourd'hui, personne ne va rien fêter. Ouais, c'est gay tout ça, c'est génial. Donc voilà, c'était le journal de Randall. Alors les secrets. Les secrets, c'est surtout des petits objets qu'on a retrouvés, par exemple une photo, des cartes d'identité, US Army, des photos la plupart du temps, c'est surtout ce qui revient. Bon, je vous laisse regarder. Là, il y a un truc de...
d'hôpital, on dirait. J'ai vu une mèche de cheveux aussi. Des photos, des pièces d'identité. Que des trucs de survivants qu'il a trouvé au cours de ses... de son petit voyage. Et tu penses que tous ces gens sont morts? Enfin, dans le jeu, hein. Pas non plus. Mais ça se trouve, en fait, je suis en train de me dire, ça se trouve, c'est les cartes d'identité de tous les développeurs. Ça, ce serait cool, par contre. It's a new law. Law. New law. Bon, ouais. C'est hyper triste, hein, n'est-ce pas? De Robert W. Picton. Une feuille avec la liste des noms des survivants ayant atteint la zone de sécurité. On dirait que les hommes ne sont pas bien reçus entre ces murs. Le nom de Stella est le dernier sur la liste. J'ai un peu la flemme de tout faire, là. Il y en a énormément, hein. Et enfin, il y a les jeux portables, donc voilà. Je ne l'ai pas, celui du milieu. Mais j'ai les deux autres. Mais j'ai pas envie d'y jouer. Bonus, graphisme et croquis, making of et vidéo. Alternate ending. Oh. Les making of, ça m'intéresse pas plus que ça. Graphisme et croquis. Voilà. Je vous laissais surtout montrer le journal de Randall. C'était le plus important, à mon avis. Et donc, voilà. Si vous voulez d'autres épisodes bonus, vous me le dites, et je ferai les making-of, les petites vidéos, les images. Je vous montrerai tout ça. Mais sinon, bah... moi, ça me suffit amplement. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, et à bientôt. C'était Kmelos.